Hello Miss Citron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait et je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit bah, pourquoi pas un petit peu faire des conneries aujourd'hui dans la vidéo là. Et ben écoutez, c'est parti, je vais créer un compte parce que probablement qu'il ne survivra pas très très longtemps, hein, durée de survie très très faible. Alors, est-ce que je fais une fille ou un garçon, je sais pas. Bah écoutez, on va faire un garçon, écoutez, il est parfait notre garçon. Amuse-toi bien, Jean-Kevin. Au fait, je suis Zack Sky. Je peux te montrer le coin. Soyons amis. Nope, je veux pas être ami avec toi. Je veux pas être ami avec toi. Non. Bon, on est amis avec Zack Sky, mais bon, c'est le début de la popularité. Hop, on prend ça. Alors, pour cela, on va ne plus respecter le règlement. Jean-Kevin est un thug. D'ailleurs je suis désolée hein, pour les gens qui s'appellent Jean, pour les gens qui s'appellent Kevin et encore plus pour les gens qui s'appellent Jean-Kevin. Voilà, c'est dit. Bah écoutez, on va prendre cette coupe. Ah bah non, en fait on peut prendre les trois. Oh, on dirait une tête de banane. Bon, on va prendre ça. Et puis du coup, bah écoutez, pour le premier, ne jamais ne partager jamais de données à caractère personnel. Donc ne partagez jamais les données concernant vos comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Kick, Snapchat, Twitter, Skype, etc. Alors vu que Jean-Kevin il a pas d'amis, hein, il a vraiment pas d'amis, on va aller directement dans le chat, on va aller directement, je ne sais pas, sur le... Bon, pff, allez, on va aller à la plage, parce que c'est un kéké des plages. Et oh, il y a du people, bonjour. Salut. Je m'appelle Jean-Kevin. Et du coup, Jean-Kevin ne doit pas partager ses infos personnelles. Mon Inst... j'essaie de... Voilà. C'est... Squeezie. Voilà, on a... on a détruit une règle de Movie Star Planet. On a partagé notre Instagram, qui est l'Instagram de Squeezie. Et là, t'as Zach qui me dit si tu es gentil avec les autres, je suis sûre qu'eux aussi seront gentils avec toi. Mais je suis très gentille, je partage l'Instagram de Jean-Kevin. Tiens, on va. Oh, attends, je vais faire un auto. Hop, tu vois. Eh bah oui, parce que Jean-Kevin est un kéké des plages. Oh, on est passé niveau 2. D'accord, ok, pourquoi pas. Oh, tiens, on va prendre ça. Et du coup, ensuite, on va dire je suis youtubeur. Parce qu'il a pas d'amis, il faut qu'on essaye de se faire des amis, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle, il y a personne qui veut discuter avec moi. Attends, on va envoyer un message. On va envoyer un message à Tania. Ah, attends, ah non, attendez, il y a Lina. Il y a Lina, on va envoyer un message à Lina. Trop cool. Ah ouais, carrément, le mec il m'a dit trop cool. Non, mais là je m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un réagisse à ça. Attends, on va faire genre, j'ai 6K8 d'abonnés. C'est pas du tout vrai, hein, parce que Jean-Kevin n'est pas du tout youtubeur, mais vu qu'il a envie de gratter l'amitié, pas forcément la bonne amitié non plus, hein, parce que bon, si t'as besoin, voilà, comme par hasard, j'ai dit qu'il est youtubeur et tout, il y a des gens qui commencent à l'inviter, etc., en ami, c'est trop drôle. Tiens, on va prendre ça. Voilà, ça ira très bien pour la plage. Alors, la première règle, ne partagez jamais les données, etc. Ça a été fait. Ne partagez jamais votre adresse email ou quoi que ce soit concernant le mot adresse. Bah, du coup, on va dire... on va demander à Isia. On va envoyer un petit message. On va dire coucou. J'habite à Neuilly-sur-Sable. Alors, une ville qui n'existe absolument pas, que je viens d'inventer de mon esprit. Donc, on a cassé une deuxième règle de Movie Star Planet. Oh my god, on est des thugs de ouf. Mais comme jamais dans mes gens, Kevin, à jamais dans mon cœur. Même si tu disparais de Movie Star Planet parce que t'es trop un thug de ouf, t'as dit où t'habitais. Troisième règle, ne partagez jamais votre nom complet, votre numéro de téléphone ou votre établissement scolaire. Coucou, ça va et toi? Ok, je dis coucou, j'habite à Neuilly-sur-Sable, elle me dit coucou, ça va et toi? Je me demandais pas si ça allait, mais bon, pourquoi pas. Ça va, je m'appelle Jean-Kevin Dubois. Oh, remarquez, ça va. Ça va, merci. Je suis Jean-Kevin Dubois. Est-ce que ça marche comme ça?
Et elle me dit oui. Et du coup, on va regarder le jeu. J'ai encore cassé une règle. Oh my god, mais on est des thugs. Non, mais genre, Kevin, non, mais. Tu vas aller en prison pour ce que t'as fait. Tu vas aller en prison pour ce que t'as fait. Tu vas te manger 10 ans d'années de prison. Hein. Là, t'es fini. Là, t'es fini. Ne partagez jamais vos identifiants de compte avec un autre utilisateur. Si une personne vous propose un abonnement gratuit en échange de votre mot de passe, c'est qu'elle cherche à vous escroquer. Bon, là, ça va être compliqué de casser cette règle parce que c'est censé être quelqu'un qui nous le propose. Ensuite, il va falloir... Alors, réfléchissez avant d'écrire. Soignez votre langage et soyez respectueux envers les autres joueurs. N'oubliez pas que tout ce que vous écrivez sera lu par une autre personne. S'adresser à d'autres personnes en ligne équivaut à le faire en réalité. Oh my god, attends. Oh putain, on a de la chambre de... Attends. Elle nous a demandé de rejoindre sa chambre. Oh mon dieu, mais il lui manque un O. Je n'avais pas remarqué, mais elle est en soutif. Oh mon dieu. Ah bah, il y a Nico qui a rejoint. Ah bah d'accord. Elle nous invitait dans sa chambre et puis elle se barre. Ah non, elle est revenue. Ça y est, elle est revenue. Votre langage doit rester correct et respectueux. Alors, est-ce que c'est respectueux de dire « j'aime l'urine » Non mais, je dis ça, mais en vrai, ça existe l'urinologie. Et qui se ramène, elle doit... Elle qui tient. Ok. Il est mou. Oh, j'en ai plus. Oh mince, ne formulez jamais d'insultes ou de contenu à caractère sexuel inapproprié. Ah bah attends. J'aime bien ton O, Ifia. Ouais, parce qu'elle a pas de O. Dans quoi je suis tombée? Et je rappelle que ce con, je viens de le créer en live, en direct, et que... Oui. Et que je n'ai... personne ne sait que je suis en train de faire une vidéo. Hein. Là, clairement, les gens doivent me prendre pour un zigoto, quoi. Et elle me dit oui. Ok, ne formulez jamais de propos racistes et non-respectueux. Alors, vous ne trouvez pas que les Polonais... Ils boivent trop. Oh mon dieu. Quinzel raciste. Elle prend les Polonais pour des alcoolos. Oh my goodness. On a encore cassé une règle de Movie Star Planet. On les casse toutes. On les casse toutes. Et là de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi c'est quoi ça? Pourquoi il raconte sa vie? Et harceler, n'embêtez jamais d'autres utilisateurs. Ne leur demandez jamais de vous donner quoi que ce soit. Ah. Ne proposez jamais d'objets, de cadeaux, de récompenses à d'autres utilisateurs en échange de quoi que ce soit. Donc là, on va essayer de gratter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gratter? Clairement pas l'amitié, parce qu'ils doivent me trouver trop chelou. Et du coup, je vais leur dire... qu'est-ce que je peux gratter? Il y a possibilité... Ah, bah le garçon il est parti, je voulais lui demander des vêtements. Mais je pourrais pas parce que du coup les filles... vous pouvez me donner des trucs, je suis pauvre. La YouTube Money Pepa. Oh merde, elle s'est barrée aussi. On va dire la YouTube Money Pepa. Bon, on a quand même brisé encore une règle. Mais tristesse, ils se sont barrés quoi. Et ensuite, la triche n'est pas tolérée, nous faisons la promotion d'un jeu équitable. Le programme de triche, le piratage, les chaînes de lettres, l'usurpation de l'identité du personnel de Mister Planet, Blockstar Planet, Disney Planet, les modificateurs du jeu ou le harcèlement d'autres utilisateurs en échange de quoi que ce soit sont interdits. Donc là, il faut se faire passer. On va se faire passer pour un modérateur, tiens, pour casser cette règle-là. Et ce qu'on va faire, bah du coup, c'est qu'il va falloir que je change... Ah mince, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis l'anti-bug? C'est tellement... Je suis tellement habituée à faire ça, en vrai, que bah du coup, je le fais automatiquement. On va se reconnecter. Ok, on est reconnecté. On va aller voir les messages. Ah non, ça c'était moi. Bon, il y a personne, j'ai pas d'amis. Ce qu'on va faire, c'est changer le look pour essayer de le rendre un peu plus potable. Et j'ai reçu des petites affaires. Donc on va aller dans mes affaires, dans mes habits. Et on va le mettre en mode beau gosse. Alors attendez, on va tout lui enlever. Oh, le pauvre, il a poil. Avec cette jolie coupe, ça passe direct. Moi, je dis, ça se voit tout de suite que c'est un modérateur parce qu'il a des chaussures assorties. Est-ce que je peux le mettre torse nu? Ah bah oui, il sera torse nu. Ah bah oui. Bah oui. Comme ça, on brise encore une autre règle. Mais non, il va à la plage. Bah, depuis quand on va à la plage habillé? Bah voyons. On va retourner dans le chat. Bonsoir. Je suis modérateur MSP. Je suis là pour... Vous surveillez. Vas-y, dégage. De qui il parle? Ah merde, ça a bouffé un mot.
pour vous surveille. Ok, mais bon, ils ont compris. Le principal, je pense, c'est qu'ils ont compris. Et je vais marquer Kali, je vais devoir contacter tes parents. De se dire ouais, genre on va essayer de lui faire peur, mais en fait je pense que je suis grillée à 3000 km, que je ne suis pas modérateur, que je ne contacterai personne bien sûr. Et on va voir sa réponse. Ah bah c'est barré, je crois qu'elle a eu peur. Cherche meuf hot, snap, ajoutez-moi. Tu vas te calmer, je veux dire tu vas te calmer. Tu vas te calmer jeune homme. On n'est pas sur mythique. On va marquer ça comme ça parce que sinon ça passera pas. Pervers. Oh merde, je bouffe des mots et pas sur mythique. Bref, on aura compris aussi. Le modérateur le plus nul en français de Mystère Planète. Bonjour Jean-Kevin. Hello. Eh bien. Gros, t'as 12 ans. Oh merde, je vais insulter. Je vais me mettre en PLS. Non. Non, ce n'est pas... Non. La fille qui a zéro répartie. Non, non, j'ai pas 12 ans. Dis quel âge. Attends, non, je peux pas dire mon âge. Échange de données. De données personnelles. C'est interdit. Ah, la fille qui vient de lire le règlement, hein, et qui le ressort. Ah bah, il s'est barré, je crois qu'il a flippé aussi. J'ai fait tous flipper, en fait. J'ai utilisé des mots un peu trop intellectuels, tu vois, et du coup il a pris peur, il s'est dit « Ah mince, le gamin de 12 ans, il sait parler !» Et il s'est barré, il a eu peur. Eh bien écoutez, je crois qu'on a brisé, il reste encore une règle à briser que j'ai laissée exprès pour la fin, pour savoir les personnes qui ont tenu toute la vidéo. Alors, en savoir plus, alors les vrais modérateurs sont identifiables par un badge de modérateur sur leur avatar affiché en permanence. Ah, ok. Eh ben écoutez, j'ai lu tout le règlement du coup et on va passer au dernier des derniers. En fait, c'est tout simplement ne jamais donner votre... Vous ne devez jamais partager votre mot de passe ou vos identifiants de compte. Alors moi, je vais pas le faire dans le chat, là, enfin, sur la plage. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais tout simplement vous le dire maintenant. Et du coup, la première personne qui se connectera sur Jean-Kevin pourra récupérer son compte. Oh, il s'est fait frapper ou quoi? Quelqu'un qui m'a frappé le visage? Bah, attends, on va danser. Hop, on va mettre de l'ambiance, parce qu'il n'y a pas d'ambiance sur cette plage. Et bien, le mot de passe de Jean-Kevin, écoutez bien, c'est fleur 1, 2, 3. Fleur comme fleur, hein, une fleur qui pousse dans les champs de blé. Non, ça pousse pas dans les champs de blé. Dans les prés, hein. Et 1, 2, 3, voilà, tout attaché. Fleur 1, 2, 3, le mot de passe de Jean-Kevin. Moi, je vais me déconnecter. Et au moment où la vidéo elle sortira, je suppose que je pourrai plus me connecter dessus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous aurez quand même rigolé comme moi. Parce que moi, je me suis bien marrée. Je pensais pas que, voilà, on allait faire des trucs chelous dans une chambre à plusieurs. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ah, bah, je me sens moins seule à danser maintenant. Allez, ciao, ciao.